Bonjour à tous, le tour de magie que vous allez voir a été réalisé avec les cartes que le magicien Olivier Desquins a créées pour cet effet. Merci beaucoup Olivier. Et vous pouvez bien entendu le retrouver sur Facebook car c'est un créateur de magie fantastique. Bonjour à tous. Salut à vous. Eh bien, on est heureux de vous retrouver avec Brigitte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un classique de la magie, mais attention, pas n'importe quel classique, parce que cette fois-ci, c'est un tour que avait fait à l'époque Max Maven, un tour de mentalisme. Voilà, on se donne rendez-vous sur le tapis tout de suite. Aujourd'hui, Brigitte, je vais jouer avec ton imagination. Ah ouais? Alors, ici, imagine que c'est le centre de ta pensée. D'accord. Imagine. Et à l'intérieur de ta pensée, il y a un choix à faire. D'accord. D'accord? Mm-hmm. Alors, je vais, pour ne pas t'influencer, je vais laisser les cartes à l'intérieur. D'accord? D'accord. Imagine sur un tableau blanc qu'il y a quatre dames. Oui. Pique, cœur, trèfle, carreau. Tu as le choix entre deux couleurs. La couleur noire ou la couleur rouge? Laquelle veux-tu que je garde? Franchement, je prends la couleur rouge. La couleur rouge. Donc les noirs, on les pose temporairement sur la table, ici. Mm-hmm. Tu as choisi la couleur rouge. Dans le rouge, tu as le cœur et le carreau. Donne-moi une de ces cartes. Alors moi, je vais te dire la dame de cœur. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que lundi, c'est la Saint-Valentin. Oh, oui, c'est vrai. Donc, d'accord. Voilà. La dame de cœur, oui. Tu ne veux pas changer? Non. Alors, regarde. Regarde ma main. Imagine oui. Que je prenne cette dame de cœur, que je la retourne face en l'air. Oui. Et qu'invisiblement, je la remette dans l'étui avec les autres dames. Non. Imagine aussi que tu n'as pas choisi la dame de carreau, non. Ni la dame de pique, ni la dame de trèfle. Tout à fait. Regarde, je dépose la dame de carreau avec le restant des dames, mm-hmm. D'accord? Et je vais prendre un petit accessoire. Je prends ces dames et regarde. Instantanément, elles ont disparu. Oh, bon. Et de ta pensée. En plus, oui, c'est fort. Parce qu'il n'y a qu'une carte dans ton esprit maintenant. Il n'y a qu'une seule carte, c'est la carte que tu as choisie. Et qui est? La dame de cœur? La dame de cœur. Ah ouais? Alors regarde, ici rappelle-toi le centre de ta pensée. Oui. Et à l'intérieur, des cartes. Regarde bien. Je ne veux faire aucune action. Je vais simplement déposer les cartes sur la table. D'accord. Et du bout des doigts, regarde bien. Je vais étaler maintenant les cartes. Il y a une carte face en l'air. C'est pas possible, c'est ma carte. Il n'y a qu'une carte face en l'air et c'est la carte que tu as choisie. Ah, oh, mais c'est trop fort. Tu veux qu'on aille plus loin? Ah, oh oui, bah. Oui. Je vais jouer encore avec ton imagination. Oui. Regarde, je vais rendre cette carte, cette dame de cœur unique. Ah bon? C'est fait. Si on regarde maintenant le dos de la dame de cœur. C'est incroyable, ça a changé. Cette île maintenant a un dos différent. Ah, oh, mais carrément. Des trois autres. C'est magnifique. C'est surprenant. Et rappelez-vous, mes amis, et rappelle-toi, Brigitte, tout à l'heure, nous avons éliminé les trois autres cartes. Bien sûr. Regarde. Et quand le miracle se passe. Elles sont disparues. Eh bien, voici ce que ça donne. Bah, si ça, c'est pas magique. Alors les amis, est-ce que ce tour vous a plu? Alors si vous a plu, likez, commentez, ça vous savez le faire. Voilà Brigitte, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête de Saint-Valentin le lundi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et voilà, le message de Brigitte est passé. Et nous, on se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao, bye bye. Ciao.